Bonjour à tous, Walkarian Doucien pour une nouvelle vidéo sur Tomb Raider. Aujourd'hui, nous allons faire le tombeau de la salle de l'ascension qui se situe dans le village de montagne. Je vous ai montré le point de départ depuis l'entrée où on voit des peintures à l'extérieur, donc sur la carte, et nous allons progresser tout doucement dans la grotte, dans le couloir qui va nous mener au tombeau. On poursuit gentiment donc dans le couloir. On se faufile. Et là, on y est presque. Des statues. Et on arrive donc à une grande salle. Donc de là, on va grimper ici. Ensuite, on va partir sur notre droite. Juste là, vous avez un feu de camp. Mais nous, on va partir à droite ici. Cela faisait autrefois partie du Yamatai. Et là, on arrive devant une grande pièce. Donc, dans un premier temps, on va fermer les volets ici. Donc, on tourne la roue pour cela, à l'aide du piolet. Sans perdre de temps, on passe en face. On fait pareil avec cette roue-là. Ensuite, on grimpe là. Et de là, voyez-vous, les volets en face sont en train de relâcher. Ils vont se rouvrir. Le but, c'est d'arriver en haut, en face de nous. Donc là, il faut être bien synchrone. Et une fois que vous êtes accroché là, donc on bascule sur la droite, enfin sur la gauche, pardon. Oui. Si, voilà. Ok, il y avait un petit bug, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Donc là, on continue. Il y a un moyen de monter. Manifestement, j'ai un petit souci avec mon clavier. Voilà, ça ira mieux comme ça. Et de là, vous accédez magnifique au tombeau. Est-ce que ça faisait partie d'un plus grand ensemble de ruines? Donc voilà le tombeau. Et là, vous pouvez ouvrir votre coffre. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc voilà le coffre du tombeau de la salle de l'ascension. Qui brille effectivement, beaucoup d'or. Et avec ceci, donc vous avez pillé le tombeau de la salle de l'ascension. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je te laisse mettre un gros like, un gros pouce bleu, me dire dans les commentaires pourquoi elle t'a plu ou pourquoi elle ne t'a pas plu. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Facebook, sur Twitter. Et pour poursuivre ton visionnage, je te propose la dernière vidéo mise en ligne en haut à gauche ou celle que j'ai spécialement sélectionnée pour toi en bas à droite.